Dans cette clinique de Barcelone, des dizaines d'Européennes se rendent chaque jour pour avorter. Ce Français accompagne sa femme, trop épuisée pour s'exprimer. Lui souhaite rester anonyme. On s'est rendu compte que l'enfant qu'on était en train de mettre au monde avait une maladie génétique. On a décidé de ne pas le garder. Et ce qui se passait, c'est que voilà, le délai légal en France était passé. Il n'y avait pas 50 solutions, il fallait aller à l'étranger. Une maladie qui ne permet pas de justifier une IVG en France au-delà de 12 semaines de grossesse. Le couple s'est donc rendu en Espagne, où le délai est de 14 semaines. Il va même jusqu'à 22 semaines en cas de problème médical. D'apprendre qu'il n'est pas possible de faire un avortement légal en France dans la clinique qui nous a suivis depuis le départ, c'est vrai que ça a été très dur à avaler. Dans cet autre centre spécialisé dans les avortements, le docteur Barambio reçoit aussi régulièrement des Françaises. Quand elles sortent du bloc opératoire, les patientes viennent dans cette salle. Selon le gynécologue, le délai légal fixé par la loi française pose problème dans le cas de syndrome décelé tardivement, mais aussi en cas de déni de grossesse. Les immigrés n'ont pas toujours les ressources économiques. Elles peuvent se retrouver à court de temps. C'est aussi le cas pour les femmes les plus jeunes, qui font le plus de déni de grossesse. Et aussi pour les femmes âgées, qui pensaient ne plus pouvoir tomber enceintes. Problème, ces Françaises n'ont pas toutes les moyens de se rendre en Espagne. Une injustice pour cette association qui défend les droits sexuels. Sans compter le prix du voyage et le logement, avorter ici peut coûter entre 300 et 2000 euros. Outre l'Espagne, des milliers de Françaises se rendent chaque année dans d'autres pays où les délais légaux pour avorter sont plus souples, comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.